La surmédiatisation de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, obtenu surtout par son acharnement contre notre pays et ses sorties pleines de fiel et de haine contre un peuple qu'il a accueilli avec tous les honneurs, est-elle en train de se retourner contre lui En effet, des informations indiquent que l'ex-ambassadeur de France en Algérie, de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020, serait impliqué dans une affaire de corruption, de transactions frauduleuses, de fausses déclarations, d'abus de fonction et de fraude fiscale, et ce, alors qu'il était ambassadeur en Algérie durant la première période, c'est-à-dire entre 2008 et 2012, en effet, le sieur Driancourt aurait vendu un bien de l'ambassade situé au 10, rue Esfandja à El Biar sur les hauteurs d'Alger, composé d'une villa mauresque connue sous l'appellation d'Esbouj, construite sur un terrain d'une superficie de 10 517 mètres carrés. Le prix de la cession, au profit de l'homme d'affaires incarcéré, Reda Kouninef, a été de 50 milliards de centimes, soit 47 545 dinars le mètre carré. Alors que les services des domaines l'avaient estimé à 230 000 dinars le mètre carré, causant un préjudice certain aussi bien au trésor algérien que français. Une commission de 2 millions d'euros. Il faut dire que la Wilaya d'Alger avait émis le droit de préemption de l'État algérien pour l'acquisition de ce bien mais, suite à l'intervention du premier ministre de l'époque, ce droit a été levé et la transaction a eu lieu. D'autres éléments de l'enquête font ressortir que Xavier Driancourt aurait reçu une commission de 2 millions d'euros versée par Reda Kouninef. Des cours de moralité pour qui Tout ceci au moment où l'ex-ambassadeur continue de regarder de haut l'Algérie et les Algériens, de ce regard de rapace condescendant à ingurgiter sa proie, versant son fiel et son poison sur notre pays, ses dirigeants et ses citoyens, donnant des cours de civilisation et de morale à partir de tribunes qui lui sont acquises, aussi bien dans son pays que dans certaines contrées qui ne cherchent qu'à nuire à l'Algérie.